Quand on évoque le nord du Shaanxi, les Chinois pensent immédiatement au Xinjiangyou, un style de chanson folklorique typique de la région. C'est une terre jaune sous un soleil ardent. Dans le désert immense s'élève une volute de fumée. Bien que cette région soit plutôt aride, les chants folkloriques locaux sont de véritables déclarations d'amour à ce coin de Chine. Astucieux et travailleurs, les Chinois du nord du Shaanxi ont su créer toute une gastronomie avec ce que leur terre a bien voulu leur donner. L'art culinaire étant par ailleurs un thème récurrent de leurs chansons. C'est pour découvrir ces délices que notre équipe de gastronomes s'est rendue dans l'une de ces habitations troglodytiques de Yulin pour la fête du printemps. Qu'est-ce qui passe par le chat d'une aiguille et qui se mange? Qu'est-ce qui est quasi transparent et qui se mange aussi? Partons déguster le plus authentique des réveillons, le festin le plus solennel de l'année chez les troglodytes du Shaanxi. Suivons notre équipe gastronomique pour découvrir les saveurs festives chantées dans les chansons folkloriques. Nous voici dans un restaurant ordinaire, et cet artiste folklorique présente aux clients en chantant les 8 sites les plus connus de Yulin. Et il faut savoir que ce style d'opéra appelé Qinxiang parle de la vie locale dans tous ses détails. On dit même que ce genre de chant pourrait faire pleurer un malabar et faire tourner la tête à une mariée, ce qui illustre parfaitement la puissance ensorcelante de cet art. Commençons donc notre enquête en chantant. Yulin est la ville qui se situe le plus au nord de la province du Shaanxi. Enchâssée entre un désert au nord et l'immense plateau de l'Eus au sud, quelle gastronomie peut bien produire ce genre de région aride? C'est avec toutes ces belles chansons en tête que notre enquêtrice se rend à présent dans le district de Jingbian. Alors, quelle sera donc notre première saveur festive? Peut-être n'y a-t-il qu'à les écouter chanter pour le savoir. Les Chinois de cette région sont connus pour être naturels et chaleureux, et la plupart ont de vraies voix de ténor. Surtout lors de la fête du printemps, il ne suffit que d'un petit verre pour pousser la chansonnette.你看，这是喝高兴了。其实呢，这就是在陕北啊，无论你走到哪儿，都能听到这么地道的民谣。刚刚那大哥唱什么？来到陕北转一转哈。我觉得咱们要找这个民谣里头的年味儿啊，不如就去问问这些大哥哈。大哥，过年好啊，各位。哦，还有一位大嫂哈，你们好。刚唱的特别好啊，这唱的是什么？来到陕北转一转是吧？嗯。啊，还唱的什么东西是宝乳纸、西游馅？面嘛。面。面哈，就吃的面。哎，就这家店伙就有了。啊，这家就有。这家就有，可这问问嘛。行，那你们吃着，我去问问哈。谢谢。好好。
Tandis que les villageois continuent à boire et à chanter, notre enquêtrice se dirige dans la cour arrière et reste bouche bée devant ces dizaines de quartiers de viande suspendus.哎，两位大姐，你们好。哇，这是挂那羊肉呢，是吗？啊，嚯，我这头一回看这么多羊肉在一块儿哈，是要给它全晾上吗？啊，我们家一到冬天就要晾好多好多羊肉，是吗？要储存一个夏天的羊肉。哎呀，一个夏天啊，一个夏天过去，冬天再开始晾，是吗？我要不帮帮您？好啊，这大姐立马就把手套，来来来，好，我来帮您。那您歇会儿，好，那么多羊肉为什么都要给它晾起来呢？ 那方便夏天吃吗？夏天吃，也就是说储存往这天然大冰箱，多好！天然大冰箱啊，对咱们这儿确实挺冷的。我们这个昼夜温差比较大嘛，是。嗯。哦，那晚上能冷到多少度？那零下20多度了。零下20多度，那这要把这个羊肉冻上，然后白天的时候太阳出来再融化。对呀，像现在就挺暖和的哈。哦，现在的天气就 适合融化这个羊肉，你看这个血水，对呀，还可以脱脂的。这个血水滴出来之后有什么好处吗？就是羊肉吃起来不那么膻了嘛。哦，要不然羊肉不是挺膻的嘛？然后把那血水脱出去了，就是膻了。这是这种新鲜的哈。嗯。那像这些呢？就比如说已经这个就是已经滴完了的呢。啊，就挂了几天了，把那血水滴出去，然后再下来的就是油脂了。啊，油脂也就脱掉了。啊，脱。哦。把一部分油脂脱出去，然后，啊，羊肉也好吃。对呀，这样吃起来也不会腻了，它的营养。哦。吃起来也没那么腻。 Yulin est l'une des villes les plus ensoleillées de Chine. Un ensoleillement qui dure longtemps et un écart de température important entre le jour et la nuit créent des conditions idéales pour faire sécher la viande de mouton. Chaque année, le 9e et le 10e mois du calendrier lunaire constituent la meilleure période de l'année pour faire sécher cette énorme quantité de viande. Primo, comme l'automne est la saison où les plantes produisent des graines, le fourrage dont se nourrissent les moutons aromatise directement leur chair, ce qui aura pour effet d'atténuer fortement son odeur rance. Deuxio, avec l'augmentation de l'amplitude thermique entre le jour et la nuit et une méthode de séchage qui alterne le froid et la chaleur, la viande aura une saveur tout à fait particulière. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que la viande sera prête, juste à temps pour la fête du printemps. Mais avant de faire cuire cette viande de mouton séchée, il y a 2 étapes très importantes. D'abord, il faut rincer la viande jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ensuite, on plonge la viande dans de l'eau froide et on la porte à ébullition en prenant soin de l'écumer. En plus de l'alpinia et de la coriandre utilisées pour éliminer toute mauvaise odeur, on ajoute du poivre, du piment, du poireau et du gingembre pour intensifier le goût. Il faut compter de 4 à 5 heures de cuisson à feu doux sans jamais soulever le couvercle ni ajouter de l'eau. Ce procédé permet de garantir une saveur de viande fraîche tout en ayant un arrière-goût de viande séchée. Aujourd'hui, la chance est avec nous puisque c'est le meilleur moment de l'année pour déguster de la viande de mouton séchée et qu'en plus, c'est Madame Bai qui nous fait la cuisine. 哇，这个就是大姐亲自做的羊肉，是不是？啊，就是咱们在外面看那个晾干的那个羊肉，现在已经做好了，炖了好长时间了吧？ 4个挑了一块，我刚想说，这个是羊脊骨，就是我最爱吃的那个肉，是吗？撕这一块，哦，那个好吃，嗯，哦，好吃吗？嗯，哦，不错吧？这风干羊肉，这口感真的是很不一样。那是，就是可以进到了，一点都不腻，膻吗？而且不膻，真的是不膻，膻不膻吧？对呀，真的一点都不油腻哈，嗯，就是还有这个，这里面有水，羊水，看见了没？哦，这要拿筷子这么捅一下，哦，怪不得你喜欢吃这一块了，原来这个这好多人都不知道咋吃呢，要是就是他们都扔掉浪费了，然后这可好吃了，尝
所有的味道精华都在这儿了，我觉得。对对对，这是我妈。嗯，还有羊肉，浇上这个汁子更好吃。啊，要浇上这个汁儿啊？我跟你招呼，我一辈子就爱吃个这个挺好吃。这一块啊？啊，这个就是对呀，我刚想说看起来有点肥哦。不是这个，就是肥羊而不腻。这是切说啥？啊，肥羊就胸叉，胸叉哦。好，其实我特想说的是什么，你知道吗？就是。 就是你看你们两位啊，都那么苗条，但是你们又吃羊肉吃的，所以我长脂肪了。我绝对相信这个吃完了它是不会长脂肪的，你知道吗？我们还吃羊肉，还有民谣呢。什么民谣？哎，妈，那个剁椒面给个羊心汤，死死活活相跟上。 哦，哎，我好像听明白什么什么爱上羊心汤。荞麦。好，我先把这一口肉吃了啊，回头咱们再配上那荞面哈。对对对。Et voilà le sarrasin que l'on vient de chanter. Décortiqué et moulu, cette céréale a nourri des générations entières de ces Chinois du nord du Shaanxi. De par les conditions géographiques et climatiques locales, la région a toujours manqué de riz et de blé, les deux céréales les plus consommées de Chine. Poussés par cette contrainte, les autochtones ont ainsi trouvé une bonne dizaine de façons de cuisiner la farine de sarrasin. Aujourd'hui, le riz ou la farine de blé ne sont même plus prisés par les gens du coin. À la place, diverses céréales, le sarrasin étant la plus représentative, sont plus appréciées et vues comme étant bénéfiques à la santé. En effet, même si l'évolution du régime alimentaire des Chinois est le reflet de leur niveau de vie, la modeste farine de sarrasin reste néanmoins un aliment absolument ancré dans la psyché locale. Depuis des temps immémoriaux, les nouilles de sarrasin sont un aliment fort apprécié de tous les Chinois du nord du Shaanxi. Madame Bai, qui a appris ce savoir-faire directement de sa mère, représente aujourd'hui la deuxième génération qui maîtrise l'art de cuisiner les nouilles de sarrasin. À en croire la chanson, les nouilles de sarrasin et la viande de mouton formeraient une association parfaite. Et effectivement, notre hôte nous explique que ces deux aliments se complètent non seulement au niveau diététique, mais aussi gastronomique. Mais comment faire les nouilles de sarrasin? Après avoir fini son travail, Madame Bai nous emmène dans son ancienne maison troglodytique. Là, tandis que la mère colle des papiers découpés aux fenêtres, la fille s'occupe de préparer les nouilles. Bref, l'ambiance est à la fête. Mais pour ce qui est de fabriquer ces nouilles, le savoir-faire n'a rien de simple. On commence par la préparation de la pâte. Afin d'obtenir une consistance élastique, il faut ajouter l'eau petit à petit et avoir un coup de main de plus en plus énergique jusqu'à ce que la pâte ne colle plus du tout au récipient. Un récipient redevenu impeccable sera ainsi le signe d'une grande maîtrise. Une pâte trop dure serait difficile à couper, mais trop molle, elle resterait accrochée au couteau. Après avoir étalé la pâte, on la coupe en avançant toujours vers soi avec un couteau spécial. Dans le Shaanxi, on dit que l'on peut voir si une jeune fille est bonne à marier d'après sa capacité à couper les nouilles. Incroyable, non? Bon, regardons ça de plus près. Wow,瞧这速度！我在这边看，基本上它好像是在原地没有动样，你知道吗？但是，一下一条一条一条就出来了，你知道吗？跟变魔术一样。哇，而且切的那么均匀呢，你可以看看吗？ 哇，你看，真的很均匀。这可要技术呢。这是要技术呢，哈。啊。我一来的时候先看到是这把刀，你知道吗？就特别，很特别，看到没？我感觉是两把菜刀接在一块儿了，你知道吗？就这样哈，往下。啊。往下。嗯。是吧？就手腕。是手腕使劲哈，要细一点。手臂放直。啊，手臂要放直，这样。对。我看不见。 哎，为什么我剁的它是粘在上面的？看看我剁的，那叫一个细呀！来看看你剁的，你看这样对比出来就能看出来我剁的有多粗了，是吧？
À présent, chers téléspectateurs, regardez bien. Nous allons analyser ces images telles que le ferait un scientifique pour comprendre la technique de la découpe des pâtes. En fait, la découpe est une étape cruciale qui exige une grande virtuosité et des années de pratique. Observons bien Madame Bai. Juste à l'instant où elle découpe la première nouille, elle appuie légèrement la lame en arrière afin de calibrer la nouille suivante. Le coup de couteau tombe alors exactement sur les marques. Une telle précision ne peut faire penser qu'à un laminoir. Le bras se lève, le poignet pivote et la lame s'abat, puis le couteau se relève en donnant un coup en avant. Et voilà qu'une nouille parfaitement découpée est projetée sur le plan de travail où elle exécutera quelques pirouettes pour éprouver son élasticité. Voilà qu'en un clin d'œil, Madame Bai a réalisé tout un écheveau de nouilles parfaitement calibré. Une véritable prouesse en somme. Quant à la vitesse d'exécution, faisons un test ensemble.十八根，十八除以五，好，哪个观众先算出来了？十八除以五等于多少？三五是五啊，这平均差不多四根哈，也就是说一秒钟能切四根。我天哪，就这样往前。哎，那你要到我们陕北这儿就嫁不出去了，是吗？我们这儿可是，看巧面剁的细不细，就看媳妇儿厉不厉。来了，要剁的细啊，就是媳妇儿就厉是吗？啊，对。 À Jinbian, on évalue les compétences d'une femme par rapport à la finesse et à la longueur de ses nouilles. Dans l'ancien temps, c'était d'ailleurs la première chose que l'on examinait chez une jeune femme à marier. Dans le village, si la mère de Madame Bai est une véritable sommité que l'on se doit d'inviter en toute occasion, c'est parce que ses nouilles de sarrasin sont toujours hautement appréciées. Cela fait d'ailleurs plusieurs décennies qu'elle fabrique des nouilles de sarrasin et qu'elle en a tiré notoriété et revenus substantiels. Serait-il possible qu'une nouille de sarrasin puisse être aussi fine qu'un fil? Allons vite retrouver Madame Bai, qui a hérité du savoir-faire maternel, et voyons si cette dernière parvient à réaliser des nouilles de sarrasin aussi fines. Oh, hey, 穿过去了! Wow! Oh, oh, 毫不费劲,你看! 看到没? 看到没? Wow, 这就是可以... Accommodée de différentes sauces, un simple bol de nouilles de sarrasin peut offrir toute une palette de saveurs différentes. Mais ce que préfèrent les Chinois du Yulin, c'est bien sûr accommoder leurs nouilles de viande de mouton séchée. Dans ce genre de sauce épaisse, on ressent tout le moelleux des pommes de terre, toute l'élasticité des nouilles, ainsi qu'un arrière-goût infini de viande de mouton. En plus d'être un véritable régal, ces nouilles toutes simples ont tout bonnement le goût du foyer familial. Thank you.
Après avoir quitté Jingbian avec des mélodies plein la tête, notre enquêtrice s'en retourne à Yulin. Pour résumer, nous venons de découvrir que les Chinois d'ici savaient faire passer les nouilles par des chats d'aiguille. Mais qu'en est-il de l'autre fameuse spécialité aussi translucide qu'une feuille de papier ? On dit souvent que les meilleures saveurs se cachent chez les gens simples. Nous retrouvons donc Song Xun en train de chercher des indices dans une ruelle comme tant d'autres. L'armoise est une plante sauvage qui pousse à haute altitude et qui peut servir à fixer les dunes. De plus, les grains d'armoise contiennent une gomme végétale naturelle qui permet à la pâte une bonne élasticité, d'où une pâte qui peut s'étirer quasiment à l'infini sans se déchirer. En fait, la pâte faite à base de farine mélangée est un genre de pâte que les autochtones fabriquent avec ce qu'ils ont sous la main, en utilisant par exemple ce qu'ils font pousser dans leur jardinet. Cette spécialité illustre bien le mode de vie ancestral du nord du Shaanxi. Le nord du Shaanxi est une région montagneuse et peu fertile. Depuis les temps anciens, le sorgho et le maïs sont les principales céréales qui ont nourri les gens de cette région. D'où une créativité sans cesse renouvelée dans cette gastronomie basée sur les céréales qui devient avec le temps de plus en plus raffinée. Monsieur Li est un orfèvre en la matière et juste comme ce que l'on vient de voir, ses réalisations sont à l'image de sa réputation. Mais cette pâte est-elle vraiment aussi mince qu'on le dit ? D'après Monsieur Li, étirer une pâte pour obtenir ce genre de dimension n'est pas bien difficile. Ce qui l'est, en revanche, c'est de faire en sorte qu'elle ait la même épaisseur partout. Pour obtenir une pâte plus grande que la surface d'un lit, c'est donc la technique pour l'étirer qui fait toute la différence. Comment s'y prend-on exactement ? Mais alors que notre enquêtrice brûle déjà de s'y essayer, Monsieur Li lui demande d'abord de changer de rouleau à pâtisserie. Ce n'est qu'en faisant l'expérience que l'on peut comprendre. Cette tâche répétitive qui n'a l'air de rien est en fait des plus ardues et la maîtrise de Monsieur Li est le résultat de 10 bonnes années de pratique. Quand il ramène vers lui le rouleau enveloppé de pâte, c'est à l'aide des paumes des mains et des poignets qu'il le soulève.
un peu comme le ferait un bulldozer. Cette technique qui permet un étirage plus rapide sans risquer de casser la pâte n'est toutefois possible qu'après des années de pratique. Sun Xun s'était toujours demandé comment on pouvait réaliser une pâte si fine, si homogène et dont le diamètre soit bien plus grand que le rouleau à pâtisserie utilisé. Il suffit en fait de plier la pâte. Ainsi, pour obtenir une épaisseur régulière, on doit plier la pâte pas moins de 4 fois, et ce, à partir de 4 côtés différents. Avec cette technique, la pâte est de plus en plus étirée tout en gardant la même épaisseur. 咱们可以往外展了是吧？对，来，那咱们开始吧。就这样啊，手抓住。抓住就行。哇，跟撒网似的，就这样铺开了是吗？哇，那您这一天得赶多少挂这面？多少块面？嗯，赶个十来块。十来块啊？天哪！哇，您没看到？您待会儿来这儿看一下，这，我们坑了。这个地都是陷下去的，你看有没有觉得我的海拔？你看在这儿是这样的，突然之间。 Plus large est la pâte, plus on obtiendra de nouilles pour répondre en avance à la demande du jour. À l'instar de M. Li, les Chinois du nord du Shaanxi sont infatigables et les nouilles qu'ils font à la main ont une saveur qui fait l'unanimité chez tous les gourmets. Les gens du coin cherchent toujours à créer de nouvelles saveurs avec toutes sortes de céréales et on trouve des nouilles, des galettes, des pâtes de différentes formes, etc. Ce qui atteste d'une ingéniosité certaine en matière de gastronomie. Depuis les temps immémoriaux, les céréales servent à remplir les estomacs, tout en offrant la plus importante partie de l'énergie dont le corps a besoin, d'où un régime alimentaire très sain. En effet, non content de fournir des glucides, ce genre de festin céréalier est devenu par la même occasion une quête aussi bien du goût que de l'esprit. Parmi toutes les recettes de farine mélangée, la soupe aigre ou nouilles est la plus facile à réaliser. Après avoir fait sauter du poireau, on verse de l'eau et du vinaigre pour obtenir une soupe claire et non grasse. À l'époque, quand on pouvait manger 3 bols de ces nouilles pour le déjeuner du dernier jour de l'année, c'était aux yeux du jeune monsieur Li et des siens la meilleure des récompenses. Aujourd'hui, pour ce genre de plat, il y a un grand choix d'accompagnement. Néanmoins, l'ingrédient le plus apprécié n'est autre que le tofu. Voici un cuisinier qui sait non seulement faire la meilleure des sauces, mais qui sait également transformer le tofu en véritable œuvre d'art. Hey, Zhong Shifu, vous allez faire un plat de tofu pour moi aujourd'hui? Un plat de tofu. Oh, tout est fait de tofu. Oui. C'est quel tofu? Vous pouvez me voir? Oui. C'est un tofu. Oh, pourquoi il faut le faire? Parce que ce tofu, après, je vais faire un tofu. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. D'accord. 这个豆腐在我们小时候的时候，在家里面过年时候，他父母做出来以后，我们都等不及上桌，我们就把这个，就这样吃，对，这就完工了是吗？对，我本来还等着只是准备下一步要做什么呢，就这么吃，对，蘸一下。
这个豆腐的质感果然不一样啊，很弹，而且特别结实。对，因为这个豆腐，榆林豆腐 和别的地方不一样的。对，在这个榆林都知道这个豆，榆林的豆腐好。只要在榆林不吃豆腐的话，就等于没来榆林，对，是吧？Le tofu de Yulin est généralement fait à partir d'une variété de soja à graines noires. Cette graine locale, riche en protéines et pauvre en calories, est très nutritive. Une fois décortiquée, les graines en question présentent une couleur jaune ou verte. Le tofu produit avec ces graines est très fin, très lisse et très agréable en bouche. À Yulin, les plats qui contiennent du tofu se dégustent obligatoirement pendant les fêtes, mais également le reste de l'année. On raconte même que les gens du coin préféreraient se passer de mets de choix ou des légumes frais plutôt que de manquer de tofu. Alors, allons vite voir le festin de tofu que nous a préparé Monsieur Zhong. À Gaoxigo existe un petit village dont la superficie ne dépasse pas les 4 km². Bien que minuscule, le patelin est pourtant connu dans toute la région. D'après M. Gao, notre charretier, l'endroit était jadis très pauvre et devait souvent faire face à des coulées de boue ou à la sécheresse. Mais après des années de dur labeur, le village est devenu un lieu pittoresque, réputé dans toute la région. Et si vous avez l'occasion de venir en été, vous verrez alors un paysage en tout point différent. Mais pour ce qui est de se régaler pendant la fête du printemps, il faut à présent écouter chanter Monsieur Gao. Gao 大哥，啊，你刚刚唱的是什么呀？又是面面，又是油的。就是给我们陕北过年时候炸油糕那个炒面。炸油糕啊？哎，对。好吃吗？好吃。哦。哎，那咱们这儿除了炸油糕，过年还吃什么好吃的？还有那个五魁八碗。五魁八碗。哎，就是娶媳妇。娶媳妇。五魁，哎。哦，那哪能看得见、尝得到呀？在你家就能看到。去您家行不行？行。好吧、那咱们就去高大哥家看一看，这陕北人过年到底有什么大的年味儿哈？对。走吧，驾。驾。你看那个面面，我擦哟。À Gaoxigo, il a fallu le travail de plusieurs générations pour transformer ce pays rude en campagne riante. Le yangge, ou danse du riz, est une danse chinoise traditionnelle. La qualité de la vie locale peut se lire sur ses visages rayonnants de joie. D'ailleurs, Sun Xun, notre enquêtrice, ne peut résister davantage. Dans le nord du Shanxi, la tradition veut que pendant la fête du printemps, les danseurs de Yangge fassent le tour du village et aillent de maison en maison pour souhaiter bonheur et santé à tout le monde. Regardez un peu comme notre enquêtrice se dandine avec une ombrelle multicolore à bout de bras. Même par ce croix de canard, rien de tel qu'un bon Yangge pour vous revigorer et vous faire transpirer. Après s'être violemment trémoussé, voilà que Sun Xun se rend chez Madame Jin. Dans la cour, tout le monde est occupé aux préparatifs de la fête. On nettoie, on découpe des papiers, on colle des sentences parallèles et on suspend des lanternes. Rien ne doit manquer. Madame Jing nous explique que pour faire des gâteaux frits, il faut d'abord faire de la farine. Notre enquêtrice, toujours prête à donner un coup de main, se met sur le champ à la tâche qu'on lui a signée. 大哥，您这个铺的这是小米吗？不是，这是我们这叫大软米。叫什么？大软米。大软米呀、它不是小米吗？我觉得不是，跟小米好像。不一样。哦。它小米是我们用来是熬稀饭的。熬稀饭。大米，我们是这个就是米子，过年炸油糕的。炸油糕的。对呀、啊。哦，所以它最后炸出来是就是金黄的那种，对、是吗？嗯。哦。它就是黄颜色的啊。那这个是要用这个碾子来碾它吗？对，只要是碾压成面粉。
哎，要变成面粉，然后才能做那个油糕，是吗？啊，哎，我们一般就不是有牛啊或者驴来拉碾子，咱们也这个多了，我们就可以说牛了驴了可以呀，啊，少了可以就人工，少一点人工来，啊，那今天我来帮帮你们好不好？啊，谢谢，把它碾成这个面粉是吧？对，好。Avec le fort ensoleillement dont bénéficie le nord du Shaanxi, les paysans cultivent généralement des céréales qui peuvent s'accommoder d'un sol aride, tels que les légumineuses ou encore le millet, le sarrasin, le millet à balai, le sorgho, etc. Ces céréales à gros grains que les Chinois ont mis tant de soin à cuisiner sont ainsi devenus les produits phares du régime alimentaire local. Par exemple, le millet à balai, très résistant à la sécheresse, est l'une des céréales les plus cultivées du plateau de Leus. On mélange ainsi deux variétés de millet à balai dans des proportions de 3 contre 7 pour fabriquer une spécialité connue dans toute la Chine, les momo, de petits pains dorés cuits à la vapeur. Mais aujourd'hui, Madame Jing va nous faire un autre délice du coin, les gâteaux frits qui, dans le temps, ne se dégustaient que pour la fête du printemps. Mais pour pouvoir déguster ces fameux gâteaux, il faut d'abord actionner la meule. 哎，其实这样我并没使多大劲儿，主要大哥在后边推着呢，是这样是吧？对。啊，你看咱们那碾过的地方，马上就有那个白色的粉末出来了。哎，就是这样的，在年三十吃，我们这里只需要吃这个炸油糕。啊，炸油糕是年三十吃的是吗？啊，因为他提前吃的话呢，我做提前27、28天就给我做了，他一会儿都吃完了，还这么多。啊哦，走走车，走走到年三十那天都没有了。哎呦，大哥，您数了，你就歇一会儿吧，可以吧？您数了咱们多少圈了吗？La farine fraîche doit être encore soigneusement passée au tamis. Le broyage et le tamisage sont gages d'une saveur plus authentique que celle des gâteaux dont la farine a été faite à la machine. D'abord, on incorpore la farine à de l'eau douce pour obtenir une texture un peu granuleuse. Puis, on place dans le wok une grille de roseau tressée habillée d'un carré de tissu sur lequel on répandra la farine. Après avoir été chauffée et humidifiée par la vapeur, la farine deviendra une pâte à gâteau en 10 petites minutes. En portant la bassine contenant la pâte, Madame Jing exhorte Sun Xun de se presser. Oh, vite, vite, vite. Je ne sais pas pourquoi il est si vite. Prends-le, prends-le. Vite, vite, vite.哦，快点快点！为什么要那么快啊，大姐？完了，我都粘上了，撕不下来，都给凉了，粘上啊，揉不到一块了，是吧？要手法快一点啊！可是很烫，这个是不是？啊，把它抓下来，给我抓好嘞！你看这就粘上，啊，你就是时间长了，就不能再快点揉。哦，快点，手抓这块，这样沾的凉水啊，好烫！好，快使劲儿啊！确实，外边揉上去啊，觉得还挺凉的，然后揉到心里头就觉得就是好烫。这个粘起的还是这儿，好，粘起这儿，跟着大姐一通忙活，你一会儿快玩一块啊，好，一人一半。好。Le pétrissage de cette pâte qui vient de cuire à la vapeur est une étape primordiale qui doit être accomplie dans un temps très court si l'on veut obtenir une belle boule de pâte et un goût authentique. Une fois parfaitement pétrie, la boule de pâte sera partagée en deux. Une moitié sera laissée à sécher à l'intérieur pour en faire ultérieurement des gâteaux frits. L'autre moitié, encore toute chaude, servira à confectionner toutes sortes de gâteaux. On va chercher un petit peu de gâteau. Regarde, tu vois, c'est tout. Oh, tu vas le faire. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Allez, va.这儿，哦，这个不一样啊，不一样，是吧？你看这儿，吓我一跳。这个，这是一个一个的，一个一个搞起来的哈。这儿，看，你看你，哎，对对，这擀，擀，擀到多大？这儿，来，看，好，这儿粘好了，不是？嗯，这个一周就行了吧？嗯，这儿好，你看，啊，这个可以哈，啊，这就可以了。我给你搅一下啊。好，就像饺子一样，先，也像饺子一样，这先给它封住，封住啊。然后这个底儿，嗯，对，往里，再往里，一个挨一个是吧？你选一下，好，你那搞里搞不了，好，一下，一下，一下，哎，你不行，你搞不了，你看你搞，哎，这不对，为什么呀？
你看我做怎么那么难看呢？这边怎么那么粗呢？看您做这么简单。Madame Jing a vraiment des doigts de fée. Des raviolis farcis de légumes marinés et des gâteaux à la purée de jujube. Voilà qu'elle a transformé une pâte somme toute ordinaire en toutes sortes de délices. Quant à notre enquêtrice du goût, elle est visiblement plus douée pour les manger que pour les préparer. Oh, mmh. Mmh. Oh, c'est bon. 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 这还不是最好吃的、啊、你等一下我接下来给你炸一个油糕油馍馍、嗯、那个你很好吃Madame Jing est vraiment aussi sympathique qu'efficace. Avec la pâte qu'elle a laissée refroidir à l'intérieur, elle se met à faire des tranches qu'elle s'empresse aussitôt de faire frire. Sans sucre ni farce, ce délice a, aux yeux de Madame Jing, la saveur inoubliable des fêtes d'antan. 小朋友闻到香味了。来小朋友这儿一杯过来过来过来来来来来来你尝一个来。嗯。娃娃就该吃甜的。嗯好吃好吃。这就是纯的那种。啊越这越味儿。就是那种杂粮面的那种香味儿。哎你得细细去嚼越嚼越有那种香味儿。其实虽然没有放糖但是会嚼出那种甜味儿出来。自然甜。自然甜。哎自然甜、嗯。你觉得真的不用放什么你看这黄黄的面。就是。我觉得我还是喜欢吃这原汁原味儿的。我也喜欢吃个越这越味。小时候哪能吃上的一糖了又是菜馅了吃上这个油炸的也很不错了。Voilà qu'en en rien de temps, Madame Jing nous a confectionné tout un festin de délices avec juste du millet à balai réduit en farine. Apparemment, Madame Jing en raffole. Dans le temps, les gâteaux frits faisaient forcément partie de toute réjouissance. Et pour Madame Jing, cette saveur est naturellement rattachée à mille souvenirs d'enfance pleins de joie et d'entrain. Ce n'est plus alors une simple saveur agréable, mais un moment de bonheur enfoui au fond du cœur. En chinois, le mot gâteau se prononce de la même manière que le mot hauteur. En dégustant des gâteaux frits pour la fête du printemps, on serait donc assuré de prendre de la hauteur dans l'année à venir. Ces belles espérances se retrouvent également dans les chansons folkloriques du nord du Shaanxi, qui nous assurent que les gâteaux frits et les légumes marinés nous mettent de bon appétit en nous apportant la santé, voire même la fortune. Visiblement, ces chansons représentatives de la vie locale et de sa gastronomie font la part belle aux gâteaux frits. La fête du printemps est une occasion où tous les membres de la famille se retrouvent pour travailler dans la joie et la bonne humeur, avec un partage des tâches qui transforme ce travail complexe en une activité ludique. Voyez plutôt, alors que Madame Jing fait frire des gâteaux à l'extérieur, son frère prépare un autre plat dans la cuisine. 炸丸子哈、嗯、这是那个猪肉馅儿哈是啊从大年三十到正月十五之前、嗯、半个月就够吃了嗯半个月怎么哦天哪是每家每户过年都会做这个丸子吗基本上都会啊Dans le nord du Shaanxi, le réveillon de la fête du printemps doit impérativement se composer des 8 bols, dont ces boulettes frites font partie. Après avoir haché la viande, on y ajoute des œufs et des condiments. Il ne reste plus alors qu'à battre la viande comme plâtre. Ah, il y a ce qu'il y a ce qu'il y a, c'est ça ? Oui. C'est pour qu'il s'éloigne. Pour qu'il s'éloigne, il s'éloigne plus vite. Oh, pour qu'il s'éloigne plus vite. Oui, je vais essayer. C'est un petit peu, c'est pour qu'il s'éloigne. Oui. Dans le nord du Shaanxi, si l'on bat de la sorte le hachis, c'est pour obtenir une consistance bien élastique. Ainsi, une fois frites, les boulettes seront fermes et caoutchouteuses. Dans le nord du Shaanxi, les 5 plats, 8 bols et 13 délices sont le festin le plus copieux que les autochtones puissent préparer pour leurs invités. C'est aussi le reflet d'un meilleur niveau de vie. Le porc braisé, le porc cuit à l'étouffée, le poulet, le mouton, les boulettes constituent les 5 plats. En plus de ça, si l'on ajoute 3 autres plats de viande, on aura alors les 8 bols.
Mais pour offrir un festin encore plus copieux, il faut également 5 plats de légumes froids, ce qui fera en tout 13 délices. Dans le nord du Shaanxi, le festin des 8 bols se prépare pour toutes les occasions festives, par exemple pour une maison que l'on achève de construire, pour un mariage ou autre. Une saveur au fond du cœur répond à une douceur vue en rêve. À l'instar de Madame Jing qui aspire toujours à une vie meilleure, les gens du nord du Shaanxi ne peuvent oublier ces gâteaux fruits ou ces 8 bols de leur enfance. Autant de souvenirs heureux qu'ils font revivre année après année.